Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans la Minute Coaching, nous allons aller droit au but. Au but, hein, j'ai bien dit avec un U. Droit au but, on va pas parler romance, même si j'ai des petits cœurs partout. Veut-il que du sexe avec moi? Alors mesdames, bien évidemment, tous les hommes sont un petit peu différents parce qu'ils ont tous une personnalité différente et nous sommes vraiment tous différents sur Terre. Mais l'homme a toujours un petit peu cette même façon d'agir avec une femme, qu'il veuille des rapports sexuels uniquement, qu'il veuille quelque chose de stable ou pas, quel que soit son âge, quelle que soit sa culture, ça revient toujours à peu près au même. Donc voilà comment reconnaître. Vous avez rencontré cet homme et très à l'aise, il vous a sorti des phrases qui vous semble tout droit sorti d'un poème, d'un texte, quelque chose de bien rodé. Il vous a apprécié, il vous a donné son numéro, vous lui avez donné le vôtre et il vous rappelle tout de suite. Il a envie de vous voir. Voilà. Vous allez vous dire, waouh, ça y est, il est accro. Non, c'est vite, 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 tu me plais. Pendant que c'est chaud, battons le fer pendant qu'il est encore chaud. Et il va vouloir vous donner un rendez-vous pour aller prendre un verre. Alors, si c'est que du sexe qu'il veut, c'est un truc hyper rapide. Hein. C'est un petit ristretto, il n'a pas de temps à perdre, ni en terrasse, ni quoi que ce soit. C'est le plus au fond d'une brasserie possible. Pourquoi? Parce qu'il n'a absolument pas envie que quelqu'un vous voie ensemble. Donc, ce sera ni dans son quartier, ni dans le vôtre. On ne sait jamais, hein, des fois, parce que ça jase. Voilà. Non, 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 non. Le mec qui commence à calculer comme ça, voilà. Un homme qui va vouloir que du sexe avec c'est peut-être toi, c'est peut-être pas toi, il a les yeux qui papillonnent. Dès qu'il y a une femme qui passe, il va la mater avec insistance. Voilà. Il ne vous écoutera pas. Si c'est vous qui avez vraiment décidé d'avoir dans son tableau de chasse, il va se pencher, mais vraiment avec insistance sur vous pendant que vous êtes en train de prendre votre verre. Il va vous regarder avec l'œil un peu qui frise, la bouche un peu entrouverte. Il a envie de vous embrasser. Voilà. Il va peut-être même vous proposer d'aller dans les toilettes le plus rapidement possible. T'as pas envie. Voilà. Sachez, mesdames, être une femme différente. Une femme qu'il va avoir envie de respecter. Donc, dites... Ah non, 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 non. Et voilà, je m'en écroule. Non, 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 je suis désolée. Non, non, voilà. Ne commencez pas à repousser sa main. S'il a la main en dessous, sur votre genou, sous la table, là, si vous rentrez encore une fois en contact avec lui, dites non, un non ferme et catégorique. Alors moi, j'ai vu ça il y a plusieurs années, mais il y a vraiment très longtemps de ça. Un homme qui devait être là juste parce que la femme lui plaisait et puis rien de plus... Et il est parti se laver les mains. Elle, elle a commencé à commander. Lui, il est parti par l'issue de secours. Elle a piqué, mais pété un boulard dans le restaurant. Il fallait voir, quoi. Il est où? Il est où? Il est parti, le salaud! Et elle avait commandé pour deux, mais vraiment plein de trucs. Et elle a dû payer, je pense. Heureusement, c'est pas sur moi que c'est tombé. Hein. Mais voilà. D'où l'importance de bien cerner ce que l'homme veut. Voilà. Comment va se passer la fin de ce rendez-vous? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a passé un bon moment avec vous malgré le fait que vous ayez dit non? S'il vous dit bonsoir avec un petit bisou et qu'il se retourne, ça c'est très important pendant que vous êtes en train d'ouvrir votre portail ou n'importe, ça c'est super important. S'il trace sa route, la tête baissée, qui voilà, ça veut dire putain, j'ai passé une mauvaise soirée, je réitérerai pas avec elle. Voilà. Vous avez dit non, mais il va insister. Il va vous envoyer plein de sextos en se disant bon, je vais faire travailler son imagination, au bout d'un moment, j'ai bien la chauffer. Ça va durer, allez, 5 jours peut-être, grand maximum. Grand maximum, hein. Et puis après, il passe à autre chose. Voilà. Vous savez qu'il ne veut que du sexe avec vous s'il ne s'en cache pas. Il voit d'autres femmes et en plus, il vous raconte comment ça se passe. Ou alors, hier soir, j'étais avec une petite brunette, mais alors, elle m'a fait un truc. Elle m'a sorti une position. Faut qu'on essaye ensemble, hein.
N'oubliez pas que l'homme aime conquérir les femmes, que l'homme est un chasseur finalement, et que quand sa proie lui tombe tout rôti dans le bec, il n'a plus d'intérêt du tout, quoi, en fait. Ça y est, il a eu ce qu'il voulait, il n'a plus d'intérêt. Voilà. Parfois, les hommes, et ça, j'attache beaucoup d'importance à vous montrer ça, vont prêcher le faux pour savoir le vrai. Ils vont vous emmener dans un truc où vous avez l'impression que c'est un labyrinthe, que vous ne comprenez rien. Il va vous dire, moi en ce moment, je cherche rien, mais alors rien du tout de sérieux, tu vois. Non, la vie de couple, j'ai donné, maintenant vive le célibat. Mais c'est quand même bien, hein, de se réveiller le matin avec quelqu'un, lui apporter le petit déj au lit. Non, je suis bien tout seul et tout. Les gamins, tu vois, tout ça, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc du tout, quoi. Mais j'aimerais bien quand même avoir une descendance. Mais c'est pas mon truc, hein, les gamins. Oh, regarde. Coucou. Il vient de voir un petit garçon passer, hein, tu vois, c'est trop mignon à cet âge-là. Oh, j'aimerais bien jouer au foot avec. Ouais. Bon. Si, mesdames, vous dites, ah ouais, non, moi non plus, je recherche rien de sérieux en ce moment, je vais m'amuser, je vais prendre du bon temps, et qui prétexte un truc pour couper court, c'est qu'il voulait une relation sérieuse. S'il vous dit, ah bah alors, t'es open pour un petit coup, quoi. Bon, bah alors, vous savez aussi ce qu'il voulait. Voilà, parfois, ils vont prêcher le faux pour savoir le vrai, parce qu'un homme ne va pas vous dire forcément, il y en a qui vont le faire. Mais pas forcément. Voilà, je suis à la recherche de stabilité, j'en ai marre d'aller de droite à gauche, je veux de la stabilité, je cherche une femme pour avoir des enfants. Rares sont ceux qui vont vous le dire, mais ça peut arriver. Mais ils vont peut-être vous le caser en disant, ouais, non, puis finalement, j'aime bien ma tranquillité, j'aime bien mon célibat. Voilà, mais ils vont se noyer un peu pour vous noyer, surtout vous, dans cette espèce de contradiction permanente. Voilà. C'est un peu, et surtout pour vous tester. Voilà. Donc, sachez reconnaître les signaux. Voilà. Un homme qui ne veut que du sexe va aussi parler tout le temps un peu vulgairement, quoi. C'est fou ce que j'ai envie de poser. Il va jamais parler avec vous qu'il aimerait bien faire la our. C'est vraiment. Voilà, quoi. Quand est-ce que je te ôte Parce que franchement, là, j'en peux plus, quoi. T'es trop canon. J'ai vraiment envie de te prendre. Bon, bah, vous le savez, hein, voilà. Et dans l'attitude du premier rendez-vous, c'est les jeux de regard. Au lit, c'est pareil. Il va falloir trouver une stratégie vraiment pour attraper votre regard, pour vous toucher. Le mec qui n'en a rien à faire, c'est vraiment une seule position et c'est tout, celle où il verra pas votre visage, vos yeux, vos émotions, il s'en fout, c'est bzzz. On se rappelle? Sachez qu'un homme qui vit comme ça, il n'est pas heureux. Hein. Il va faire croire, ouais, j'en ai encore une hier soir, top, mais il n'est pas heureux. Un homme, ça peut aller un temps de vivre comme ça, mais pas. Voilà, c'est par exemple un homme qui sort d'une relation qui a été compliquée, une rupture qui est compliquée, donc qui chasse un peu tout ça avec plein de conquêtes à la fois pour oublier. Mais ça va qu'un temps. Un homme ne peut pas vivre sa vie tout le temps comme ça. Ou alors, c'est vraiment que ça va pas. Voilà, ça peut aller 3-4 ans grand maximum, mais pas plus. Pas plus. Un homme, c'est pas simplement un cœur de pierre et des biscottos et puis hein, c'est pas que ça. C'est un être humain avant toute chose et un être humain, il a besoin de chaleur, il a besoin de tendresse aussi. Il faut pas exagérer. Hein, voilà. Donc, sachez reconnaître aussi également par sa voix. S'il parle vraiment normalement comme quelqu'un qui parlerait à un copain ou qu'au contraire, ouais. Bon, et l'homme qui va tout d'un coup, vous allez voir, sa voix va changer. Vous allez même vous dire, attends, c'est toujours le même là. Il a plus là, tout simplement la même voix. Elle change complètement. Elle va être, je vous l'ai dit, plus ronde, plus posée, plus. Voilà. Et là, c'est. Là, j'ai un intérêt pour toi. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, mesdames, bien écoutez, sachez aussi ce que vous voulez dans ce type de relation. Ciao, ciao!